ce repas était délicieux, mamie. Oh, oui. Surtout la salade de fruits. Laisse, papy et moi, on va s'en occuper. Merci beaucoup. Je crois que tu as fini, Zou. C'est l'heure d'aller au lit. D'accord. Si on faisait la course, Poc... Hé, attends! T'as triché! T'es parti avant moi! Oui, tu as gagné. Pas la peine d'en rajouter. J'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose de très important. Regarde bien ce que je fais. Tu vois, je ne laisse pas l'eau couler. Aujourd'hui, à l'école, la maîtresse nous a appris que l'eau était un bien très précieux et qu'il fallait l'économiser le plus possible. Alors, nous ne devons pas la gaspiller. Zou? Oui, maman? Est-ce que tu as fini de te brosser les dents? Bon, très bien. Alors, viens dire bonne nuit à tout le monde. Oui, j'arrive. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, papy. Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Zou? Vous gaspillez l'eau. Vous ne savez donc pas qu'elle est très précieuse? Oh. Si, bien sûr que nous le savons. C'est juste que... on avait oublié, voilà tout. Mais à partir de maintenant, on s'en souviendra. Tu es prêt, Zou? J'arrive. Vous êtes sûr que vous n'oublierez plus de ne pas la gaspiller, hein? Promis. Et dis-moi, tu n'oublierais pas quelque chose, toi? Bonne nuit, papy. Bonne nuit, Zou. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit. Voilà. Bonne nuit, Zou. Bonne nuit, maman. Et fais de jolis rêves. Bonne nuit, Poc. Tu as entendu ça, Poc? Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a oublié que l'eau était un bien très précieux. Comment on pourrait leur faire comprendre? Ah, j'ai une idée! J'ai besoin de mon seau. La journée de l'eau? Oui, car je crois que tout le monde a besoin d'apprendre à économiser l'eau le plus possible. C'est si facile d'ouvrir le robinet. C'est vrai. Zou a raison. Il faut qu'on apprenne à faire plus attention. Et comment va se passer ta journée de l'eau, au juste? Facile. J'attendrai dans l'entrée avec mon seau. Quand vous crierez « de l'eau !», je viendrai vous verser la quantité d'eau exacte dont vous aurez besoin. C'est compris? Pas une goutte de plus. On doit juste crier « de l'eau !». C'est très simple. Et très malin. C'est une excellente idée, Zou. Et quand veux-tu commencer? Tout de suite. Tu veux bien remplir mon seau, mamie, s'il te plaît? Avec plaisir, Zou. Et voilà. Merci. Prêt pour la journée de l'eau? Oh, oui. Ça oui. Attention, Zou, tu... Chut! Il ne faudrait pas décourager notre petit zèbre dès maintenant, n'est-ce pas? C'est vrai, tu as raison. On dirait que personne n'a besoin d'eau aujourd'hui. De l'eau! Ha 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 ha!
te plaît, Zou? Tu vois, pas de gâchis. C'est parfait. De l'eau. Ah, je dois y aller. Attends un peu, je ne t'ai pas remercié. À plus tard. Merci. De l'eau. Tom. Ah, te voilà, Zou. J'ai besoin d'eau pour laver mes bottes. Mais Zou, je... Hein? Alors, ça vient? J'arrive! Est-ce que la voie est libre? Oui. Plus d'eau. On dirait que vous avez bien travaillé, ton seau et toi, ce matin. Ta journée de l'eau est un vrai succès. Bravo, mon chéri. Oui, personne à la maison ne gaspille d'eau aujourd'hui. Je vais remplir mon seau à la cuisine. Je reviens tout de suite. Oh là là. Oh. Oh, attention. Oh. Ah. Pourquoi vous avez tous un seau à la main? Et d'où vient toute cette eau? Mais... Ben... Pour tout dire, Zou, tu as renversé un peu d'eau de ton seau en allant d'un endroit à l'autre. Donc, nous l'avons épongée. Oh, mais c'est moi alors qui ai fait du gaspillage. Ma journée de l'eau est un véritable échec. Mais non! Au contraire, c'était très utile. Oui, c'était formidable. Fabuleux. Tu as eu une bonne idée et tu as travaillé dur avec ton seau toute la matinée. Nous sommes tous très fiers de toi. Zou, tu as besoin d'aide pour remplir ton seau? Oh. Ce n'est pas la peine. J'arrête la journée de l'eau. Ça ne sert à rien. Tu veux rire? Au contraire. Je peux. Génial! C'est juste la quantité qu'il me fallait pour arroser le jardin. Alors tu vois, finalement, tu n'as pas gaspillé une seule goutte. Super! Et on a tous appris comment mieux économiser l'eau, c'est pas vrai? Aussi, grâce à Zou et à son seau.